Ce soir, un peu partout au Québec, des milliers de personnes participeront à la 23e nuit des sans-abri. À Laval, nous nous retrouverons dès 19h dans le stationnement du Cégep Montmorency. Ce sera un moment à partager ensemble sous les étoiles afin de briser le silence et se rappeler que chaque nuit, l'un des nôtres dort dans la vue. J'aimerais remercier sincèrement le réseau des organismes en itinérance de Laval qui organise cet événement pour une 7e année consécutive. Laval ne fait pas cavalier seul face aux problèmes de l'itinérance. Au-delà du stéréotype de la ville bien nantie, l'itinérance existe bel et bien chez nous. Plusieurs organismes œuvrant dans ce domaine reçoivent du financement du gouvernement fédéral grâce à l'actuelle stratégie pour les partenariats de lutte contre l'itinérance. La région touche un montant annuel qui est bien trop loin des besoins réels. Mais ce qui compte avant tout, Monsieur le Président, c'est de s'assurer que l'ASPI sera renouvelé. Point final. J'espère sincèrement que le gouvernement renouvellera le plus rapidement possible l'enveloppe budgétaire de l'ASPI. Nous avons la possibilité de rendre notre monde meilleur et le pouvoir de le faire dès maintenant. Merci, Monsieur le Président.